Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Joël Toussou, responsable financement chez France Active Lorraine, et je suis accompagné de... Philippe Florentin, donc moi je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat, donc la reprise d'entreprise chez BPI France pour toute la région Grand Est. Très bien, nous sommes très ravis d'animer ce webinaire qui s'intitule Je découvre les différentes garanties bancaires. Terme qui très souvent est peu appréhendé par les porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise. Et donc, nous allons essayer de vous présenter ce matin, puisque ce sont des garanties qui vous permettent d'obtenir un prêt bancaire dans le cadre de votre projet. Et donc, nous vous proposons d'aborder successivement quatre thématiques. Donc, d'abord, pourquoi choisir, comment, pardon, pourquoi choisir son prêt bancaire? Pourquoi garantir, pardon, son prêt bancaire? Après, comment choisir sa garantie? Après, nous allons vous proposer les différentes caractéristiques des garanties France Active et des garanties BPI, et puis un dernier mot de conclusion. Et puis, vous avez des questions que vous pouvez nous poser et auxquelles nous répondrons. Alors, donc, je vous propose tout de suite d'aborder le premier terme qui s'intitule Pourquoi garantir son prêt bancaire? Donc, le but de la garantie bancaire, c'est d'abord d'assurer, de rassurer la banque, et comme vous le savez certainement. La banque, même si elle croit en votre projet, ne prête jamais à vue. Donc, elle a besoin de se rassurer et d'être sûre que l'emprunt bancaire qu'elle vous a consenti sera bien remboursé. Donc, le but de la garantie, c'est de rassurer la banque que le prêt bancaire sera bien remboursé. Et le deuxième objectif de la garantie, c'est de protéger le ou la chef d'entreprise, dans le but, bien évidemment, de faciliter l'obtention du crédit bancaire et surtout dans de bonnes conditions. Alors, comment choisir sa garantie? Donc, quelques paramètres à prendre en compte pour faire un bon choix de la garantie. D'abord, le statut juridique, hein, si vous êtes en affaires personnelles ou en société, ça pourra jouer sur le type de garantie à prendre. Il y a également la structuration financière. Donc le montant du prêt bancaire, par exemple, qui va aussi influer sur le choix de la garantie, l'organisation patrimoniale du dirigeant et bien évidemment la nature du bien financé. Et donc tous ces paramètres vont influer sur le choix de la garantie. Donc nous avons trois gros types de garanties. Donc c'est tout ce qui va être la sûreté réelle, qui sera une garantie prise sur le bien financé, les garanties personnelles, ce qui va concerner la caution personnelle, et bien évidemment les organismes de caution mutuelle que nous représentons aujourd'hui. Donc on peut citer entre autres, hein, bien évidemment, France Active Garantie et BPI France. Donc je vous propose là d'aborder très rapidement les garanties France Active et tout d'abord vous présenter en quelques mots France Active. France Active, qui est un réseau national, donc présent sur tout le territoire national et qui est organisé en région via ce qu'on appelle association territoriale dans notre jargon. Le France Active, donc, qui accompagne tous les porteurs de projets dans leurs problématiques financières, quel que soit le stade de vie de l'entreprise, et donc qui met à disposition des outils de garantie bancaire, donc qui font l'objet de notre intervention de ce matin, mais également des prêts, des subventions, et donc via les associations territoriales qui sont présentes un peu partout en France. Donc vous en aurez toujours à peu près de chez vous. Alors, quelles sont les principales caractéristiques des garanties France Active? France Active cible deux types de projets et ou de porteurs de projets. D'abord, les porteurs de projets en précarité, donc ce sont les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, donc ce sont des personnes qui, de par la création de leur entreprise, créent leur propre emploi.
c'est une cible prioritaire de France Active, mais pas que, puisque France Active souhaite accompagner financièrement tous les entrepreneurs engagés, c'est-à-dire tous les entrepreneurs dont le projet a un fort impact social, territorial et ou environnemental. Donc, ce sont les deux principales cibles des garanties France Active. Et ce sont des garanties qui permettent de couvrir le prêt bancaire jusqu'à 80% en termes de quotité, avec un montant garanti qui, selon la phase de vie et du niveau d'engagement du porteur de projet, des montants garantis qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros, avec une durée de garantie qui est de l'ordre de 7 ans. Pardon. Et chaque fois que France Active intervient, France Active va limiter la caution personnelle du dirigeant, voire l'exclure dans certains cas. Donc, comme je vous disais au début donc, de cette intervention, le but, c'est de rassurer, bien évidemment, la banque avec des quotités qui peuvent aller jusqu'à 80%, mais également de protéger le chef d'entreprise en limitant, voire en excluant sa caution personnelle. Alors, je vous présente là un zoom sur quelques garanties, puisque France Active a toute une gamme de garanties d'emprunt bancaire avec, en son sein, des garanties dites renforcées. Ces garanties renforcées permettent d'accentuer la couverture sur certains publics. On va retrouver, par exemple, la garantie égalité femmes, qui est destinée à toutes les femmes entrepreneuses, parce que le but de France Active, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat féminin. On rappelle que plus de 60% des porteurs de projets que France Active Lorraine accompagne sont des femmes. Donc, via cette garantie égalité femmes, le but, c'est d'encourager l'entrepreneuriat féminin et d'apporter une solution à toutes les femmes qui souhaitent entreprendre. La deuxième garantie renforcée concerne tous les projets qui sont situés dans les territoires fragiles, les quartiers politiques de la ville, les zones de revitalisation rurale, via une garantie nommée égalité territoire. Et avec cette garantie, on va pouvoir accompagner et les porteurs de projets et toutes les initiatives présentes dans ces territoires dits fragiles. Nous avons également un outil à destination des jeunes entrepreneurs, des personnes en situation de handicap et des personnes bénéficiaires du minima sociaux via notre garantie égalité accès. Donc là aussi, une garantie renforcée. Et puis, dernière garantie renforcée, c'est la garantie solidarité insertion qui est destinée à toutes les structures de l'insertion ou du handicap. Et avec ces garanties renforcées, la quotité maximale est de 80% du prêt bancaire, ce qui veut dire que France Active supporte caution à 80% du prêt bancaire, avec un montant garanti qui peut aller jusqu'à 200 000 euros, d'où le thème garantie renforcée. Et à chaque fois que France Active propose ces garanties renforcées, elle demande à la banque de ne pas prendre de caution personnelle. Donc, si France Active met en place ces garanties renforcées, il y a systématiquement une exclusion de caution personnelle, toujours dans le but de protéger au maximum le porteur de projet ou le dirigeant, tout en assurant à la banque une couverture maximale de 80% du prêt bancaire. À présent, je vais passer la parole à mon collègue de BPI qui va vous présenter la garantie de BPI. Voilà, sur ce slide, merci Joël pour ta présentation. Sur ce slide, je rappelle que les activités de BPI France au niveau de la création, je serai prendre le soin de le lire, et le fait qu'on travaille avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement de la création d'entreprise et l'importance de se faire accompagner par France Active et les collègues, et Joël et ses collègues, ainsi que par les autres réseaux, puisque une entreprise qui est accompagnée par un des réseaux de la création d'entreprise, elle a 9 chances sur 10 d'être encore vivante dans 3 ans, ce qui est loin d'être le cas pour celles qui ne sont pas du tout accompagnées. Donc, franchement, créatrices et créateurs qui nous écoutez, faites-vous accompagner, venez au Salon Go vendredi pour rencontrer toutes ces personnes qui ont des compétences multiples et variées pour
vous faire aider dans votre création. Ce n'est pas perdre du temps, c'est vraiment conforter votre création d'entreprise et mettre toutes les chances de votre côté. On a aussi des prêts d'honneur qui complètent les prêts d'honneur apportés par les réseaux et on fait tellement confiance au réseau qu'on a donné délégation au réseau Initiative, à Réseau Entreprendre, à l'ADI pour octroyer ces prêts d'honneur et aussi à France Active pour ce qui est du prêt d'honneur renfort. Et puis enfin, la garantie BPI France qui intervient au-delà des garanties de France Active, qui est complémentaire, puisqu'on va au-delà des 200 000 euros évoqués et qui, pour un certain nombre de crédits, eh bien même, on a même délégué cette décision aux banques. Et donc, ne faites jamais de prêt en acceptant une caution donnée aux banquiers. À chaque fois que c'est possible, utilisez la garantie de France Active ou la garantie BPI France. Et la caution est à donner de façon limitée, en dernière limite, et pas dès le début qu'elle est demandée. Les outils de garantie de BPI France et de France Active sont vraiment là pour vous accompagner et pour se substituer à ces cautions. C'est le législateur qui les a prévues. Il faut absolument les utiliser. Ben Joël, on n'a dû pas être trop mauvais puisqu'il n'y a aucune question qui est posée. J'espère qu'on a été très clair. En tout cas, vous avez encore quelques minutes. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous avez le chat juste à votre droite. Et puis, nous aurons plaisir à vous répondre. Donc, voilà, les maîtres mots, accompagnement. Hein, ne croyez pas que vous perdez du temps, même si vous avez une bonne vision, vous croyez avoir une bonne vision de comment vous voulez créer. Allez présenter, allez challenger cette vision auprès de Joël, de ses collègues, des réseaux ADI, BGE, France Active, Initiative, Entreprendre et d'autres encore qui sont sur le territoire de Metz et du Grand Est. Et là, vous mettrez tous les atouts de votre côté afin de réussir votre création d'entreprise. Et pour les rencontrer, Joël, on les rencontre où, ces réseaux? On les rencontre vendredi déjà au Salon Go de Metz, donc, qui sera dans les locaux de la Chambre de Métiers. Donc, n'hésitez pas, venez nous rencontrer, nos équipes seront présentes et qui, voilà, on se fera un plaisir de vous répondre et vous laisser nos coordonnées pour voilà, nous joindre à tout moment. Et puis, n'hésitez pas à aller sur nos sites internet également, donc franceactive.org ou franceactive-grandest.org. Et bpifrance-creation.fr. À bientôt, à vendredi. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.